Salut tout le monde, c'est Geto. Bon, qu'est-ce que... Ah ouais, petit problème technique il y avait la dernière fois, c'est vrai. J'ai oublié. Ouais, je devrais m'occuper de cela avant de continuer. C'est bon, Peter, je suis caché vers l'avant. Donne le signal et je fonce vers la sortie. Ça marche. C'est quoi ce dossier? Qu'est-ce qu'il contient que ces types veulent à ce point? Des notes sur le souffle du diable. Projet pour lequel on a demandé à Fisk de construire un laboratoire secret. Quelle que soit cette invention, Fisk en avait peur, on dirait. Il la compare à une boîte de Pandore. Il en faut pour effrayer Fisk. On va vous faire sortir d'ici le dossier, toi. Attends-moi. Je dois rester discret. Et voilà. Ouais, ouais. Shindaro. Bon. La salle est sûre. Ne lâche pas, Peter. Ouais, ouais, Shindaro. Basique, Gwendan. Notre occasion est enfin arrivée. Waouh, Fisk a fait une tonne de trucs. C'était le dernier. Non, lâche-moi, Angie. Oh, il l'a rattrapé, putain, j'ai fait de la merde à la fin. Arrêtez! Non. Je suis une incroyable Spider-Man. Cache-toi! C'est pas bien de prendre des otages, les gars. Allons, ça va t'arrêter. Wow! C'est quoi ce machin qui brille sur vos mains? Mais... fantôme? J'ai jamais affronté le fantôme, moi! Enfin, j'ai affronté des spectres! Mais bon, techniquement, c'est pas des fantômes! Tous les fantômes sont des spectres, mais tous les spectres sont pas des fantômes! Vous le saviez? Ouais, on dirait que c'est une histoire d'énergie plutôt que de fantômes! Tant pis! Je garde combattre un fantôme sur ma liste d'objectifs! Pum. Oh lui, c'est quoi ça? Il a une hache énergétique? C'est quoi ce bordel? Ok. Et bim! Coup de genou. Le cardio, c'est fait. On va pas... Ah, ok, d'accord.
ça a l'air ancien. Je connais peut-être quelqu'un qui pourrait retrouver d'où ça vient. Je verrai ça plus tard. Je viens de parler à Greg. Vous n'êtes pas la journaliste qui l'a envoyé. Vous n'êtes même pas une de ses employées. J'ai jamais dit que je l'étais. Mary Jane Watson, Daily Bugle. Daily Bugle. Je vous interdis de raconter un seul mot de ce qui vient de alors se passer. Alors, que savez-vous sur le fichier que les hommes masqués ont volé? Ah, ça, je ne sais rien. Et qu'en est-il des objets volés que Fisk a blanchis dans cette salle d'enchères pendant des années? Ah la vache, le piège. Le rédacteur en chef aura des nouvelles de notre avocat. Peter, allez, ça va. Ouais, mais ils sont enfuis avec le dossier. Chez Mick? Comme si rien ne s'était passé depuis 6 mois. Oh! Speedy, speedy, speedy! Speedy, speedy, speedy! Ah oui, sur la dernière vidéo, il y avait eu un petit problème, j'avais indécelé les boutons. Du fait que bah il y a pas eu de fin en fait, ça a juste coupé net sans prévenir. Mick est devenu italien. Aucune idée. Ouais. Je suis content qu'il fasse encore ses fameuses frites. Tu m'étonnes, les meilleurs de la ville. Alors, comment ça se passe au Bugle? Eh ben, en fait, Robbie vient de m'envoyer un texto tout en majuscule à propos de mon exploit d'aujourd'hui. Je crois que je vais avoir affaire au service légal. Encore. Ah, une fois qu'il aura lu ton article, c'est la promotion assurée. Sinon. Tous ces affreux masqués. T'en penses quoi? Rien d'extraordinaire. Et toi, à ton avis? Je crois que cette affaire va plus loin qu'on le pense. Bah. Mais arrêtons de parler boulot pour l'instant. Comment ça va pour toi? Tu l'as eu finalement cette promotion? Non, mais on est sur le point de faire une très grosse avancée. Tu sais que tu pourrais facilement bosser chez Oscorp. Un coup de fil à Harry et... Ouais, mais les recherches du docteur Octavius aideront des tas de gens. C'est exactement ce que je veux faire. C'est ce que je dois faire. On dirait je presque pas que c'est à quel point ça va déraper. Je t'avais jamais entendu parler comme ça. Beaucoup de choses changent en 6 mois. Pourquoi tu m'as fait venir ici, Peter? Eh bien, pour un simple dîner entre amis. Des amis? C'est ce qu'on est pour toi? Oui, je veux dire, pourquoi pas, si c'est vraiment ce dont t'as envie. On a un sacré bagage, nous deux. Ouais, c'est pas faux, mais... Est-ce que c'est vraiment un problème? C'est vrai, les bagages peuvent aussi contenir des trucs bien, comme de l'argent, des clés et du baume à la framboise. Tu te rappelles pourquoi on a rompu? C'est une question piège, pas vrai? Sauvé par les sirènes. On se parle plus tard. Phil. Yahoo! Ça me fait très plaisir de vous revoir ensemble. Oh, c'est Stanley. Vous êtes toujours bien aimés, tous les deux. Oh, ils ont même foutu Stanley, là. Un petit clin d'œil. Oh, c'est magnifique. C'est juste exceptionnel, c'est juste incroyable. On va juste se poser sur un... sur un immeuble. Hé, c'est moi! Je viens de voir des unités sur la troisième! Oui, on dirait que ce bon vieux Hermann Schultz est de retour. Shocker? Il vient pas d'être libéré sur parole? Si, mais ça devait pas lui plaire. Pas de soucis, Hermann est un rigolo. Je l'aurais ramené sur Riker avant l'extinction des feux. Après un tête-à-tête avec mon ex que j'ai sauvé de criminels masqués, maintenant, je vais dérouiller un fou furieux qui commet des vols grâce à des ondes de choc. Un jour comme un autre dans la vie normale de Peter Parker. On va peut-être changer de costume, voir si y a moyen d'en faire un autre. Je peux faire un Spider-Man classique ou je peux mettre celui-là. Celui-là qui est pas mal. Est-ce qu'on partirait sur celui-là ou sur celui-là? Il y a des nouveaux trucs, c'est quoi ça?
pointe-les si on veut attendre des ennemis. Enfin ça on va prendre direct. Ça, c'est les gadgets. Prendre le gadget de Shocker là. Ouais, en faut deux. Ouais. Ok, bah c'est parti. Hein. Oh. Que tu n'as pas laissé traîner dans le labo les équipements que tu construis pour ton ami. Ça ne me dérange pas, mais si le comité des subventions devait repasser... Pas de soucis, Doc. Je vais en sorte de rien laisser traîner. Mais je sais que mon ami apprécie que vous pensiez à lui. Il y a beaucoup de gens qui l'apprécient pas trop. Ce bouffon de Jameson et son auditoire de moutons, je t'en prie. Les gens qui font de grandes choses dans ce monde sont ceux qui ne se laissent pas marcher sur les pieds par des zèbres dans son genre. Des gens comme nous. Bien parlé, Doc. Prenez soin de vous. À toutes les unités, les civils sont piégés dans leur véhicule à la suite d'un grave accident. Incident con près d'Union Square, répondez. Ah ouais, mais là... pour aller les aider. Oh là, attends, le meilleur. Appel à toutes les unités. Vos alarmes est signalé. Répondez. Dans le quartier de Little Tokyo. Terminé. Merde, j'arrive pas à monter au... au machin. Ouais, on l'a ouvert. Quoi ça? Le badge de visiteur quand j'ai postulé chez Oscorp. Le salaire aura été sympa, mais le docteur Octavius me permet de vraiment faire avancer le monde. Bah, tu seras déçu, mon ami. Spider-Man est là ? Le Shocker. Oh, il est bien fait. Hein. Salut Herman ! Sérieusement ? Laisse tomber, t'arriveras jamais à m'avoir. J'ai déjà entendu ça quelque part. Je veux pas te faire de mal. Ce serait une perte de temps. Oh ! C'est gentil de ta part. Quoi va te servir l'argent, Herman ? Qu'est-ce que ça change ? Rien, en fait. C'est juste histoire de faire la conversation. J'ai rien à dire. Dommage ! Ce serait beaucoup plus épanouissant si on partageait nos sentiments. Ah, pardon, j'oubliais. Tu n'as pas de sentiments. Allez, Herman, parle-moi de... Voilà. Parlons un peu. Je l'ai dit. Ah, c'est par là. Franchement, Herman, fallait vraiment que tu remettes ça ?
Tu sais bien que la police te surveille de près. Bon, d'accord, t'es pas très malin, mais à ce point-là, ça devient criminel. Il faut vraiment être désespéré. Ce qui me fait penser que tu fais pas ça par choix. Tu dois travailler avec quelqu'un. Ou pour quelqu'un. Tu peux me dire tout de suite qui c'est. Ou me forcer à te taper dessus. C'est toi qui vois. J'en ai assez dit. Oh l'enculé! Il tire des lasers! Bim! Elle tombe par terre. Faut le faire tomber comme une fois. Pourquoi non? Ah bah si. Tu sais quoi, Herman? T'as le charisme d'une huître, mais ton costume déchire. Tu veux bien qu'on parle design? Ouais, plus tard. Mais ton costume déchire. Herman. Herman, t'as un costume qui déchire. Important chose à savoir. Beau travail, Spider-Man. Vous avez réussi à en savoir plus sur son mobile? J'ai essayé, mais il est pas très bavard. En plus, je pense qu'il me déteste. Je crois que c'est le cas de pas mal de gens, vous savez. Mais vous, vous m'aimez bien, non? Disons que je vous tolère. Oh, c'est la première fois que vous me dites un truc aussi sympa. Disons que je vous tolère. J'ai un petit peu de temps libre. Je vais enfin pouvoir m'intéresser à ce masque. Oh, c'est MJ. Salut MJ. Tu dors pas? Je viens de regarder les infos. Apparemment, tu t'es bien amusé avec Shocker ce soir. Ouais, il était plus coriace que d'habitude. Au fait, merci pour le dîner. Qu'est-ce que je te dois? T'as tiré un service? T'as toujours le masque de la galerie? Ouais, bien sûr. J'allais justement au centre-piste pour en parler à Martin Lee. Martin Lee, pourquoi? Il a étudié l'histoire de l'art. Si quelqu'un sait d'où provient ce masque, c'est bien lui. Le jour se lève. Monsieur Lee ne va plus tarder. Oula, j'ai un petit creux, moi. Excellent. Non mais Monsieur Lee, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Je sais pas identifier un masque. Un peu à la Deadpool, tu sais, ou plutôt, ouais, c'est plutôt Deadpool qui est un peu comme lui. Il est là sur le truc en train de manger son machin. Très belle image. Excellent. Monsieur Lee doit être à son bureau à cette heure. Ça va? Vous tenez le coup? Ce crétin pense que je vais emménager chez ma fille. Ce serait génial. Elle a même pas demandé. Mais c'est hors de question. Je bouge pas d'ici. T'en sais rien. Personne sait rien. Moi, en tout cas, je reste ici. Je vous le promets. Il est en haut. Comment on monte en haut déjà? Merde. Ah ouais, par là. Ok, son bureau, il est là. Putain, j'adore, on dirait un film interactif, tu sais. On dirait que c'est toi le... Vachement bien. Que puis-je faire pour toi? Pardon de vous déranger, monsieur Lee. J'ai une amie, Mary Jane, qui est journaliste. Elle écrit un article sur l'importation d'œuvres d'art et elle a trouvé cette pièce. Elle voudrait avoir l'avis d'un expert et je sais que vous avez un diplôme. Et ça pourrait bien être la première fois de ma vie que je peux l'utiliser. Alors, montre-moi ça. Intéressant. Où l'a-t-elle trouvé? Je sais pas vraiment. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? C'est une réplique d'un ancien masque d'opéra chinois. J'en ai pas vu depuis des années. Ce symbole juste ici peut se traduire par démon. Démon?
Et puis il n'y a pas de trou pour les yeux, en fait. Mon père me lisait des contes d'horreur avec ce masque et ce symbole quand j'étais petit. J'en avais une peur bleue. Peter, écoute-moi. Ce masque... Ouais. Qu'est-ce qu'il a ? Il pourrait être lié à des personnes dangereuses. Ah bah, ça ? Jen devrait trouver un autre sujet d'article. Quoi ? Vous pensez qu'elle est en danger ? Je sais pas. Mais pourquoi tenter le diable ? Ouais, toi, t'en sais plus que tu veux en dire, toi. Hey. Bon, le symbole dans le masque veut dire démon. Monsieur Lee avait l'air terrifié, je l'avais jamais vu comme ça. Putain, excellent. Il m'a même dit que tu ferais mieux de laisser tomber. Il rêve. Mais super tu beau. Tu crois que Monsieur Lee en sait plus que ce qu'il veut bien nous dire ? Non, je crois plutôt qu'il a eu une sorte de flashback. Je sais qu'il a eu une enfance assez traumatisante. Ouais, ça doit être ça. Des démons, hein ? Accrocheurs ? Ok, j'ai du boulot. À plus tard. Bon, je dirais que ça s'est pas trop mal passé. Oh, c'est quoi ça, commandant ? Mais n'est pas encore arrivé ? J'étais une vraie tête à claque. On passe tous par une période difficile. J'aimais beaucoup les chevaux, comme tout le monde à un certain âge. J'aimerais bien que May en enlève quelques-uns quand même. C'est un peu gênant. Elle a fait un dessin de Spider-Man. J'avais pas la fibre artistique. Tu me manques. C'est oncle Ben. On va voir sortir. Bon, j'ai décroché le poste. La lettre de recommandation de mère fait toute la différence. Tout le monde sait que quand elle dit quelque chose, c'est qu'elle le pense. On s'en parle. On s'en parle. On s'en parle. Oh, regarde comme c'est bien fait. L'écran de chargement est super bien fait, quoi. Il est mais over bien fait, quoi. Attends, on va pas se faire chier, on va te dire. Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est la tenue de secrétoire. Ça, c'est pas la tenue que de Tony Stark qu'il a fait. Non, je crois qu'elle a des machins dans le dos, c'est pas celle-là. Ah, oh, mais celle de secrétoire, elle démonte aussi, hein. Ouais, par contre, faut des jetons de recherche. Là, qu'un Spider-Man qui cherche les ennemis après leur envoi. Une décharge. Oh, vas-y, je peux. Ah, oh, putain, je peux pas le créer. C'est chier. Allez, j'ai du temps à tuer avant de retourner au labo. Spidey va en ville se dégonfler les pattes. Quoi, j'ai encore un point ? Ah, ça vaut deux, ça. On va prendre ça. Nouvelle mission annexe débloquée. Bon. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire... Hein. On termine là-dessus, puis on reprendra la prochaine fois. Celui-là fait que c'est bien ouvert, c'est bien. Bon, on termine là-dessus. Puis je vous dis bien à plus pour la suite.